Et salut à toi YouTube, bienvenue dans cette vidéo de la COTD du duel du 21 août, tout simplement. 19h, COTD, et merci Juniors pour le Prime, merci beaucoup. Bah du coup la COTD c'est tout simplement une map qui sort, voilà, que personne connaît plus ou moins, que tout le monde découvre, on a à peu près 3 à 4 000 participants. Et le but c'est de faire le meilleur temps possible en 15 minutes et d'être dans le top 64. Ça c'est mon but, mais après il y a plein de divisions, etc. Mais après il y a un format knockout avec les gens de notre division. Petite map grasse. Oula. Ok, ok, un peu... un peu relax. Grasse. Oh, un petit peu relax, moi j'aime bien. Mélange des nouvelles... nouvelles routes herbes, plus les blocs plateforme herbe. Tout sympa. Ah là, faut bien pré-shot. Hein. Peut-être même prendre un petit peu d'airtime. C'est un peu rompiche, mais... Non, franchement, ça va. Ah, j'aime pas trop cette transi. Il y a un petit airtime bizarre. Ouais, il faut juste le pré-shot et ça va, mais... Waouh. Ok, c'est à droite de ce néon. Je trouve cet endroit vachement mal indiqué, hein, quand même. On a même vu avec les ghosts qu'ils se prenaient le truc. Et là, faut jump le plus bas possible. Yo, wait, wait. J'aime bien. Il y a moyen de perf là-dessus, je pense. Il y a moyen de perf. Bon, déjà divin, ça c'est ce qu'il faut faire. Ouais, le problème c'est que plus on grid, plus on a la mauvaise trage après, donc c'est un peu bizarre. Ah, j'ai planté ma fin. Ok. 28.7. Hop, petit prédit. Petit prédit. Genre ici, je vais aller plus exté. Et là, regardez, j'ai plus de vitesse pour tout le reste. Bon, ça s'est pas très vu, très bien vu, mais... Ouais, non, c'était de la merde. Oh, 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 oh. Merci Nico pour le prédit. Quoi, prédit? Je fais top 32. Top 32, top 32, pourquoi pas, hein. Il reste quoi? Il reste une minute. Ok, je vais pas faire un gros temps tout de suite. Parce que bon, si je lâche WR maintenant, la prédit, elle est un petit peu rigged. You know what I mean? Ce serait con. Ce serait con de faire W.
Ah, mais deux fois la même chose. Je vais passer en Suisse pendant mes vacances dans une semaine. Hâte de voir. Ah, let's go, bah profite bien des paysages. Merci beaucoup, Eternity. Pour le 21e mois. Comment ça se fait que tu viennes en Europe ? Petite vacances. Petite vacances ? Petite vacances sympa. Oh, ce airtime, bon dieu! Comment éviter ça? Okay guys, we have a new problem. C'est pas encore très rapide. Hein. Ça, c'est pas divin du tout. Ah ouais, c'est cet airtime là aussi que j'aime pas. Ouf, ouais, j'ai plusieurs endroits que j'aime pas trop dans la map. Mais ça va le faire. C'était mieux. Ok, c'est correct. C'est même très correct. Je vais être honnête. J'ai les lines que je voulais. Ah, c'est pas mal. Déjà, au début, il y a une toute petite différence. C'est que je slide pas sur l'herbe ici. Avant, je le faisais. Et en fait, on perd du temps. Je pense que c'est top 32, là, ouais. Regardez, c'est juste je slide. J'ai moins de vitesse. Là, j'ai pas beaucoup slide encore. Ah, vous voyez ce petit airtime là. Oh, regardez le GPS. ...47.6... Bon, on va pas regarder le GPS. Je peux le regarder, mais après le seeding. Ayo, Kylian.
Ouais, je perds point 1 sur le start comme ça. Ah, j'ai vachement perdu à la fin. Dommage. Dommage, dommage. Ça va, on est quand même sur un bon temps, mais bon. Y'a les heures, ça va toi? Ouais, des joueurs grâce, il n'y en a pas vraiment. En fait, ça, c'est beaucoup lié à la dirt. Dans le sens gérer ses gears, etc. C'est pas mal, joueur dirt égale... égale joueur grâce, mais bon. C'est après me donner du kaki, ça va encore m'attraper cette merde. Ouais, moi j'ai zioté un petit peu, mais... Enfin, j'aime de moins en moins l'ambiance kaki. En fait, je vous jure, c'est juste... c'est action key land, c'est... tu vas checker tous les clips que tu peux pour avoir les inputs au millimètre près, à la frame près. Juste, tu recopies... Je sais pas, il y a moins ce côté... Je sais pas, ouais. Je suis moins enchanté qu'avant. C'est vraiment, t'essayes de recopier les inputs des autres en continu. C'était mieux avant. Ah, ça a toujours été comme ça, mais là, maintenant qu'on a les plugins Open Planet, la possibilité d'aller regarder des replays, des machins. Sur TMNF, t'avais les clips Twitch, etc. Mais là, avec l'affichage du gamepad et tout, je sais pas, je trouve qu'il y a un côté où t'es collé devant les inputs du mec. Il se dit, ok, alors là, il appuie un tout petit peu à droite et puis après, il fait un coup à gauche. Ok, je vais essayer de faire pareil. Tu sais, j'ai un peu l'impression que c'est ça. En fait, tu joues pas, tu recopies. Moi, c'est ça que j'aime pas trop. Avec les maps kaki. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est sûrement un avis de vieux con, hein, mais... J'y vois de moins en moins de fun. Pam 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 pam. Puis même, j'en vois qui sont saoulés quand d'autres terminent des maps, genre. C'est bizarre. Pam 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 pam.
Merci enfin. Salut Yann, bonne côte. Merci pour le 21e mois. On voit, après le coup, c'est frustrant, mais tu peux quand même jouer à l'ancienne. Ouais, ouais. Ah, le GPS, je voulais regarder. C'est comme de la soluce pendant un exam pour avoir 100% de réussite et dire que ça tire les gens vers le haut, je trouve. Ah, moi, je suis pas du tout d'accord avec ça tire vers le haut, mais... Non, mais ça plaît aux gens de jouer comme ça, y a pas de souci. Ouais, ça reste cool comme événement. Je vais peut-être me tâter à faire genre après l'ascension, peut-être traîner un petit peu sur les serveurs white, green, ou peut-être les maps, les hard maps, les maps noires qui seront pas terminées. S'il reste des shiny, je pourrais peut-être les focus. On verra. J'aime bien quand c'était moins skilled et plus le bordel. Ouais, moi je suis d'accord, je trouve cette année il y a énormément de maps qui l'aident. Et je trouve que c'était fun quand t'avais quasiment, peut-être pas moitié-moitié, mais une partie où tu t'exploses dans un mur et puis peut-être des fois ça fait un truc. En time attack, tu suis tes skin marks, je me demande, car quand les rounds commencent, t'as plus ces points de repère. Non. Non, on regarde pas les skin marks. En time attack. Oh, y a pas besoin de repère, hein, je sais où je dois aller. J'aime bien qu'on récompense le temps passé sur l'event plutôt que le temps total sur TM. Ouais, je comprends. Salut Yann. Merci Zanna. Je t'envoie tout mon soutien dans cette période chargée en Trackmania X-Flag. Merci pour le 27e mois. Pour moi, ce qui est surtout chargé, c'est l'ascension, mais... Ouais. Il y a eu l'event trial de spam hier. Ah, C'était fort, hein. Non mais Biblu, même la map 300 qui est censée être fun et random, ils ont réussi à trouver un truc où tu tournes pendant une 7/10 au début, tu tapes le wall, dès que t'es à 37 km/h, tu hug le wall, t'appuies sur avancer et frein, et tu finis. Genre, oh putain, je suis pas focus par contre. Mais genre même sur les maps fun... Ils arrivent à faire n'importe quoi, à trouver des strats 100% pour justement éviter tout ce côté. Je sais pas, moi ça m'a tilté de voir ça. Et du coup, là, actuellement, tout le monde finit la map 300 parce que y a le Theorycraft, des inputs précises qui a été fait.
Genre, c'est littéralement, tu vois les gens tourner, taper un mur, et ils finissent. Mais c'est le problème des jeux déterministiques. Mais déterministe en français, je crois. La scène. Ah oui, putain, j'ai déplacé le chat hier. T'as une ascension un peu au stream pas encore. Pas encore, mais dès mercredi, je vais commencer. J'aurai un peu plus le temps. Là, demain, j'ai pas le temps. Demain, l'après-midi, j'ai une équipe pour une interview qui vient chez moi. Pour un journal. Journal local. Non, mais quand l'article sortira, je vous ferai signe. Non, c'est... Putain, comment ça s'appelle? C'est le temps. Le espace-temps. Je connaissais pas. Tes voisins vont être si vénères. The Times. Plutôt jeune voix si je ne m'abuse. Ouais, possible, possible. Ouais, quand je dis local, c'est genre suisse, quoi. Parce que je parle à 90% de français, là. Je viens d'arriver sur le stream. Je t'ai entendu parler du kaki. Je voulais savoir s'il n'y avait pas l'ascension. Tu aurais aimé jouer le kaki? Ouais, je l'aurais fait. Ouais, je l'aurais fait s'il n'y avait pas. En fait, quand je vois les gens investis, ça me donne envie, mais... Quand tu regardes de loin, tu te rends compte... à quel point c'est bidon, un peu. Mais oui, s'il n'y avait pas eu l'ascension, par contre, j'aurais tryhard à finir le plus de maps possible. Mais à chaque fois, j'ai jamais pu faire un full mois kaki en fait. Parce que l'année passée, j'étais en vacances une semaine pendant, ou une semaine et demie pendant. Ouais, la scène, pardon. Mais si je altab, ça va. Putain. Ça va chier si je altab. Non, mais il y a un 80 plus là. On posait pas de questions là-dessus. Non, mais je vais... Oh, vas-y. Vas-y, j'altab après. Au pire, je sors. Sinon, peut-être la scène IRL marche. Faut que je teste. Attends.
après un an à l'étranger. Enfin de retour en France, je peux voir les livres. Let's go! Let's go, président! Ok, je tente le alt-tab. M'en voulez pas. Au pire, c'est pour vous que je l'ai fait. Je vais pas l'enlever, je vais le remettre là. Ça ici. J'ai servi ma batterie. Ok, late start, post-champ. Ah non, pas de late start. Ça a failli. Et merci Val pour le sixième mois. Ah, ouais, pas tout le monde a la rêve du. Si c'est indiscret. C'était pendant un live Ascension étape 1. Un au revoir. C'est ciao la team. Bon, je continue, hein, mais tous les jours je suis out. À une place. Alors, regardez, par exemple, là, c'est écrit que je suis in. Mais je me fais pas avoir. C'est un mec qui a DNF. Oh non, le bug! Putain, les gars, j'étais en orange! Pourquoi je fais ça? Alors, ce League Out d'hier soir, bah, c'était très bien. C'était très très bon. Moi je dis. Mago out. Wouah, il s'est envolé lui. Attendez, c'est pas fini. Mais il est presque out, il est à deux places. Attendez, il laisse passer. Ah, dommage. Et à trois places d'être out, hein. Parle pas de Lika, on a envie de retourner en Suisse juste pour y aller de nouveau. Mais ouais, hier j'ai mangé en live. Parce que j'hésitais à soit couper le stream et faire la découverte des maps Ascension après, soit attendre que Zera finisse de mapper et faire la découverte. Mais par contre, j'avais trop faim. Du coup, j'ai commandé et j'ai mangé en stream. Ok, QZ out. Me demandez pas comment je sais. Je sais.
Il a commandé avec l'argent des abonnés. Peut-être. Oh les gars, je croyais que c'était un Goali. Mais hier, justement, j'ai tilté hier en montrant le sachet. J'ai dit, mais attends. Tout est lié. Bon, il est pas out, c'est une vanne. Il y a encore les codes promo. Il y a encore les codes promo, ouais. Ouais, il y a encore. Là, ouais, je pense que je peux le dire, mais on a re-signé pour un petit moment. De toute façon, maintenant, je fais que de boire ça, donc... Mais il y aura bientôt un stream, alors pas un stream complet, mais une heure dédiée à Oli. Là, je dois encore recevoir des goûts que j'ai pas goûté. Et faire un live dégustation, on va dire. Je pourrais vous donner mon avis sur tous les goûts. Le stream dégus. Ouais. Mais en fait, il est planifié pour ce mercredi. Mais le problème, c'est que là, j'ai encore un colis du nouveau goût Apple Alligator qui doit arriver. C'est le nouveau. Mais sinon je fais les autres goûts, mais c'est dommage s'il en manque. À quand le goût Yannex? Oula. C'est pas prévu. J'ai découvert par rapport à toi, Oli, et franchement pas déçu, c'est ultra bon. Justement, j'ai le Apple Ali et c'est un banger. Eh ben, je vais le recevoir dans pas longtemps. Mais ouais. Bah, je suis content qu'il te plaise. Trouver un fruit en Y. Bah, pas forcément, tu vois, parce que... celui au raisin, il s'appelle Gorilla Grape et il est trop bon. Hein. Je l'ai découvert il y a pas longtemps. C'est une tuerie aussi ça. C'est dans le Best of Team BDS qui vient de sortir. Ah ouais, j'ai fait quoi? J'imagine la Watch Party World. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Grape, c'est raisin en anglais. Ouais. Ta souris. Qu'est-ce qu'elle a, ma souris? It was us against the world. Vas-y, envoie le lien, les uns. Oh, attends, je vais chercher ça. Tier list des Goali. Bah, en vrai, je peux faire ça. Hein. Non, Yannex of the Week est sur un jeu et sur, je pense, un jeu différent. Ah ouais. Attendez, je me cherche. Ah oui, je suis là. Qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Attendez, venez, on regarde vite fait. Allez, moi je dis Golio. Out the round. Ah merde. J'en ai trop marre.
Ça. Dinguerie! Oh, je crois que c'est bon. Ah, c'était pas si simple. Oh, on dirait que c'est trop simple quand on regarde, mais j'ai galéré 10 minutes. Hein. Non, mort les deux. Si tu vois le contenu. Et d'ailleurs, YouTube, allez regarder Viewfinder, hein, c'était une dinguerie. J'ai trop kiffé. Est-ce que quelqu'un sait si TM est toujours sur le pass culture? Je le trouve plus. Ah, je pense qu'il y est plus, hein, du coup. Salut, Team Kill. Putain, j'ai lu Tinykin et j'étais en mode... Rah, Tinykin, quel jeu de fou aussi. Quelqu'un a testé Tinykin depuis que j'en ai parlé? J'en ai reparlé dernièrement, là. Des gens ont joué un petit peu? À l'époque, oui. Pas eu l'info. Et il est sur le Game Pass, si vous voulez. Et il est vraiment bien. Tinykin. Non mais Jojo, tu m'as pas vu. Tu m'as pas vu, ok. J'ai fait un let's play complet. Ah, Scrappy trop fort, je sais pas. Scrappy est vraiment trop fort, c'est trop. Moi je dis Across Out. Mais parce que j'étais dessus et je me dis c'est le destin. Tu vois. Là c'est le jeu qui a choisi, c'est pas moi. Ah mais la DA. Franchement Tinykin c'est mon coup de cœur 2022. La DA est folle. Le gameplay est fluide. Genre c'est trop kiffant. Trop kiffant. Et même genre les dialogues, tra, c'est trop bien fait, trop cool. Aïe, mais qui aurait pu le prédire? Qui aurait pu prédire qu'il sortait? Continuez les jeux différents durant l'ascension. Non. Non, là je vais passer à full ascension. Full ascension. Même les COTD, là je continue les COTD mais... Il y a quelques jours où je vais en skip je pense. Disons qu'à partir de mercredi... Il y aura juste le live Oli encore, mais... Vous verrez. Ça va ascensionner... Tranquillement. Non, là ça spec le cinquième, là. Le troisième. Oh non, Magorian! Fait combien de litres d'eau avec un exemplaire d'un goût Oli? Attends. Un pot ou un sachet? En vrai, je sais pas, j'ai pas compté, mais beaucoup. Surtout que je crois que eux ils disent 35 portions. Dans un pot. Mais en vrai, je remplis pas complet le... La... Tu sais, t'as une sorte de mesurette, une petite cuillère. Je remplis pas à fond.
Et ça, c'est quoi? C'est un demi-litre, ça? 500? Du coup, je dirais une vingtaine de litres. Ah, un pot, c'est 60. Oh putain, et je suis paumé, moi. 35% de pot. Je te fais confiance, Jojo. Non, mais t'as sûrement raison. Hein. J'ai... En fait, il n'y a plus de pot. Non, je crois 35, c'est les sachets de thé. Parce qu'encore, les pots de produits énergie, c'est différent que les sachets de thé. D'ailleurs, Jojo, tu m'as pas dit... ça donne quoi? Si tu m'avais envoyé ton message, ça a aidé. C'est cool. Ouais, je veux bien savoir où ça en est. Ils font que des produits énergie ou ils font des boissons? Ils ont une gamme énergie, ils ont aussi une gamme thé glacé qui est à tester aussi. Donc moi, ce que je conseille, c'est vraiment le découverte mixte. Comme ça, t'as un sachet de chaque goût énergie et thé glacé. Ouais, les ICs sont vraiment bons. En fait, moi, pendant... Bah là, ça fait peut-être un mois et demi. Ouais, non, même plus. Ça fait bien 2 mois que j'ai les produits Oli. Et en fait, dernièrement, je suis repassé à un bubble tea. Et la dose de sucre... J'ai... En fait, c'est là que je me suis rendu compte à quel point on sent pas le sucre dans les produits Oli. Même si c'est très bon. Alors que bubble tea, c'était full sucré. C'était bizarre. Bon, qui gagne? Barbos. Un classique. Honnêtement, on peut mettre 70% de la dose recommandée. Ouais, moi, c'est à peu près ce que je fais, je crois. Je fais à vue d'œil dans la cuillère, mais c'est dans ces eaux-là. 50 portions le pot. Ok. Ouais, du coup... Sucre est remplacé, du coup, ou pas? C'est quoi le nom, déjà? J'ai plus le nom, mais... plus ou moins? Non, je pense pas que c'est l'aspartame. Non, je pense qu'il y a juste zéro sucre. Attendez. Bam, 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 bam. Merde, j'ai plus. Pam 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 pam. Non, fructose, c'est le sucre dans les fruits, ça, rien à voir. Putain, mais c'est la finale, attendez. Allez, Barbos est out. Ok, le joueur sourit, Boss Baze et Chofi. C'est roue dans roue pour l'instant, ils sont au millième près. Mais qui va mieux réussir sa fin? Boss Baze qui prend un petit peu plus large, est-ce qu'il a plus de vitesse sur la transi? Il va pouvoir aller plus droit et le jump dans le finish qui va passer pour Boss Baze, et c'est une première place. En vrai, close round. Close round de fou, là.
Pam 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 pam. Beau match, beau match. Je suis intéressé par les ice tea, malheureusement les boissons énergisantes interdites pour mon cœur. Ah non mais t'as bien raison, hein. Si les boissons énergie t'intéressent pas, enfin c'est même mieux. Mais je retrouve plus le brief. J'avais reçu un big brief. Big brief. Big brief. Brief Oli. Oh, j'ai trouvé. Alors, pas de sucre, pas de taurine. Arôme et colorant naturel, plus sain. Après, dans la gamme énergie, il y a la caféine cristallisée. Non, mais il n'y a juste pas de sucre. Ils utilisent de l'inuline. C'est une fibre alimentaire. Et c'est pas tant un sucrant. Ok. Ouais, je pense que sur le site, il y a toutes les infos, hein, de toute manière, de ce qu'il y a dans le produit. Merci beaucoup, Needle, pour le 48e mois. YouTube, merci d'avoir regardé cette OTD. Bon, on a un petit peu plus discuté sur la fin. Mais j'espère que ça t'a quand même plu. Très joli fight entre BossBez et Shofi. Et on va aller check le WR, bien sûr. Pardon, j'étais un petit peu à l'ouest. Et aujourd'hui, on regarde que le top 2. Comme ça, ça vous laisse un petit suspense. Ok, 47.25 par Monkey. Ok, ça cut un petit peu ici. Ouais, ce airtime, il est vraiment compliqué. Tac, la diag pour pas sauter. Intérieur. Petit klaxon pour tourner. On connaît. Et le jump. Très très propre, hein, Ongi. Bien joué, NT. Je pense que demain, ça descend en... Allez, 46. Je pense 46. Ouais, ouais, ouais. Large. Allez, YouTube, pour t'abonner, liker. On se voit très vite. Des bisous.